Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous pour vous parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur, la gouvernance de données avancée avec Snowflake et la préparation de données avec Matillon. Je vais commencer par vous présenter très rapidement l'agenda avant que chaque participant se présente, chaque intervenant se présente. On va vous parler de sujets qui sont plutôt avancés. Le but de ce webinaire est d'être d'un niveau plutôt qui s'adresse à des gens qui maîtrisent ou qui connaissent en tout cas ces technologies. Mais nous allons faire en sorte de vulgariser chacun des sujets abordés. N'hésitez pas à intervenir quand vous avez des questions par le module questions de l'outil Livestorm que vous voyez juste ici. Vous voyez, vous aurez un sondage à la fin pour qu'on vous pose la question sur un ROTI, Return on Time Invested, et vous avez un module de questions, donc n'hésitez pas à l'utiliser et vous pouvez voter sur les questions des autres pour les mettre en avant et qu'on puisse répondre aux questions les plus populaires en fin de webinaire. Ce webinaire va durer à peu près une demi-heure, 35 minutes de présentation et 10-15 minutes de questions-réponses. Donc, je garde la parole pour me présenter. Donc, moi, je suis data architecte chez Ipon depuis 4 ans et je suis aussi data practice manager. Donc, chez Ipon, nous sommes organisés en une dizaine de practices et moi, je m'occupe de la practice data qui regroupe une cinquantaine de data architectes, data engineers et data scientists. Et je vais donner la parole à Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Moi, c'est Jean-Baptiste. J'ai rejoint Arnaud donc il y a 2-3 ans dans la practice data chez Ipon, donc en tant que data engineer. Et voilà, j'interviens sur des missions de déploiement et mise en place data lake et voilà de mise en place de workflow de traitement de données. Donc, je vais laisser la parole à Yann. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Yann, je suis le directeur de support technique à Matillion. Mon équipe aide nos clients et nos partenaires à résoudre les problèmes techniques. Je me joins à vous aujourd'hui de Manchester, Angleterre, où il y a du brouillard et il pleut, naturellement. Je passe la parole à Eric. Bonjour à tous, Eric Poilvé. Moi, je suis en charge de l'avant-vente pour les partenaires chez Snowflake et je travaille principalement sur l'enablement des partenaires et la création de solutions conjointes. Merci beaucoup à Yann et Eric de venir compléter notre message. C'est très agréable de pouvoir avoir une aussi bonne relation de partenariat avec vous. Nous allons commencer par vous parler des premiers éléments d'architecture. Donc, je vais commencer par parler rapidement d'Ipon. Donc, comme je le disais, nous sommes structurés en une dizaine de practices. Nous sommes 500 aujourd'hui dans le monde, 400 en France, répartis dans 7 agences françaises, 3 aux États-Unis, une à Moscou et une à Melbourne. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2020. Et nous sommes assez fiers d'être une société de conseil indépendante, puisque elle est toujours détenue par son comité exécutif. Et nous avons donc 18 ans de croissance organique. Et beaucoup d'ambition pour ces prochaines années. Notre plan directeur s'appelle Ipon 2024 et nous avons l'ambition d'être 1 000 collaborateurs, d'embaucher notre 1 000e collaborateur en 2024. Et je vais donner la parole à Yann pour présenter Matignon. Merci Arnaud. Matillion, la société a été créée en 2011 par deux vétérans de IT. En 2015, nous avons lancé notre produit ETL qui aussi s'appelle tout simplement Matillion. Au cours de ces 10 années, nous avons traversé 5 séries de financement. La plupart de nos clients ont toujours été aux États-Unis et par conséquent, en 2018, nous avons ouvert un bureau à Denver. Pour nos clients français, nous travaillons généralement avec Ipon. Et je vais retourner la parole à Jean-Baptiste. Non, Eric Ah, d'abord Eric. pour Eric. la partie.
Et donc une petite introduction de Snowflake. Donc Snowflake, il faut le noter, créé par deux Français qui étaient d'anciens d'Oracle et qui voulaient créer une plateforme conçue pour le cloud en partant d'une feuille blanche et donc en capitalisant sur toutes les capacités du cloud. Pour ceux qui nous connaissent depuis un petit moment, ils associent probablement Snowflake à la Cloud Data Warehouse qui est effectivement le positionnement initial de Snowflake. Depuis, la plateforme a beaucoup évolué. On est surtout disponible sur tous les cloud providers et on facilite le partage de données sans couture entre ces cloud providers. On a eu une grosse introduction en bourse à l'automne l'année dernière. Aujourd'hui, on a plus de 4500 clients qui partagent sans couture leurs données sur ce qu'on appelle le Data Cloud, qui est un réseau qui permet d'interconnecter tous les utilisateurs de Snowflake et de partager des données, de consommer des données sur ce réseau. Merci Eric. Yann, si tu peux nous présenter comment s'intègre, comment communiquent Matillon et Snowflake ensemble? Oui, bien sûr. Cette diapositive est un résumé montrant l'architecture de Matillon, Snowflake et AWS. Les silos de données sur site et externes sont extraits et chargés par Matillon dans Snowflake. Matillon contient environ 100 connecteurs no-code ou low-code pour faciliter cette opération, y compris des connecteurs pour les fichiers, les bases de données, NoSQL, les systèmes SaaS et les API. Après avoir chargé les données dans Snowflake, vous pouvez utiliser Matillon pour générer la logique de transformation bronze, argent et or. La logique de transformation est exécutée par Snowflake en SQL, seulement SQL. Le résultat est que vous avez la simplicité d'une interface utilisateur graphique avec l'évolutivité de Snowflake. Diverses fonctions intégrées à Matillon, telles que l'échantillonnage des données, vous aident à développer plus rapidement. Merci Yann. On va voir comment ça se concrétise. Donc nous, chez Ipon, on adore Snowflake, Matillon. On les adore tellement qu'on en a construit une architecture qu'on a appelée Ipon Data Launchpad, qu'on a intégralement terraformée. Donc, très rapidement, on est capable de déployer sur le compte de n'importe quel client AWS tous les composants nécessaires pour charger des données rapidement dans Snowflake grâce à Matillon et pouvoir visualiser ces données dans un outil qui s'appelle Metabase et qui est très complet dans sa version community, qui existe en version enterprise, mais qu'on utilise principalement en version community. Ce qui est intéressant, c'est que tout est en infrastructure as code, donc aussi bien la sécurité que la résilience avec l'utilisation de bases de données serverless pour stocker la configuration de chacun des deux outils. Et en quelques heures, on est capable d'aller charger des données qui sont on-prem, si les flux réseau sont ouverts, bien sûr. C'est finalement souvent ce qui nous prend du temps. Donc, on est capable d'aller charger des données d'un petit peu partout, alimenter Snowflake, faire de la mise en qualité, de l'unification de données, par exemple, pour créer un référentiel de client unique. Et ensuite, d'afficher ces résultats, d'explorer, de donner l'usage self-service aux utilisateurs grâce à Metabase. Et c'est vraiment des choses qu'on fait très régulièrement pour nos clients et sur lesquelles nous avons acquis une certaine expérience. Aujourd'hui, je vais principalement commencer par vous parler de la gouvernance avancée avec Snowflake. Alors, pourquoi elle est avancée, cette gouvernance? Parce que je considère que cette gouvernance que vous avez sous les yeux, qui n'est pas encore là, avancée, justement, répond déjà à un certain nombre de besoins. Mais il y a certains clients qui ont besoin d'aller plus loin. Donc, moi, ce que je préconise en gouvernance, par exemple, je vais afficher mon pointeur. Moi, je préconise d'avoir un seul compte Snowflake, même si vous avez plusieurs filiales. Vous allez pouvoir séparer vos données dans des bases de données Snowflake. Donc, vous allez avoir une base de données par projet et une base de données par projet slash environnement plutôt. Donc, imaginons le projet que j'ai appelé RCU, référentiel de client unique. Donc, on va évidemment avoir une base de données pour la prod, mais on aura aussi un RCU DevDB, RCU TestDB. Après, au niveau des schémas, moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser du nommage plutôt classique, bronze, silver, gold, en fonction des règles de maturité. Donc, dans le schéma bronze, on va plutôt avoir les données qui sont inaltérables, les données sources qu'on n'aura jamais le droit de modifier.
Et là, on voit que dans le schéma Silver, on aura fait la jointure des clients du CRM et des clients de l'ERP pour avoir notre référentiel de client unique. Et ensuite, je ne l'ai pas représenté ici, mais on pourrait avoir un schéma Gold dans lequel on va créer des vues sécurisées vers les données du schéma Silver. Mais on en parlera dans un slide suivant. En termes de hiérarchie des rôles, ce que j'ai pour habitude de créer, c'est déjà un rôle admin pour chaque base de données qui a tous les droits dessus. Et pour chaque schéma, un rôle admin et un rôle en lecture. Par exemple, si vous voulez donner accès en lecture uniquement à vos données publiées, donc qui normalement seront dans le schéma Gold, vous allez pouvoir attribuer ce rôle-là à l'utilisateur connecté. Ou plus souvent, quand on connecte Snowflake avec un AD, comme celui de Azure, le rôle qui existe dans l'Azure AD va être créé au niveau de Snowflake. Et on aura juste à faire un grant du rôle créé par l'Azure AD avec le rôle qu'on aura identifié pour la lecture sur ce schéma spécifique. Donc, voici ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la partie gouvernance de base de Snowflake. Par expérience, ça fait plusieurs années qu'on met en place ce type de gouvernance et elle fonctionne très bien dans la majeure partie des cas. Il y a certains cas où on a besoin d'aller un petit peu plus loin, justement, c'est quand on veut pouvoir filtrer plus finement qui accède à quelles données. Et pour ça, on s'appuie sur le principe de role level security qui est rendu possible par Snowflake. Et le cas pratique que j'ai utilisé, c'est une table client qui contiendrait des clients de plusieurs pays. Mais par contre, quand vous donnez accès à cette table-là, vous ne voulez pas que l'utilisateur connecté voit les données des clients qui ne sont pas de son pays. Donc, c'est pour ça que dans le schéma Gold, on va créer ce qu'on appelle une vue sécurisée. Donc, vous avez le lien vers la documentation qui est très bien faite. Mais le principe est assez simple, c'est de pouvoir... c'est qu'on va créer une table qui va gérer les permissions de quel rôle a le droit d'accéder à quel pays. Et tout simplement, dans la vue, on va la filtrer en récupérant le rôle connecté, donc le current role. Et du coup, seulement quand l'utilisateur va accéder, tous les utilisateurs vont accéder à la même vue, la client view, mais selon le rôle avec lequel ils seront connectés, on aurait pu prendre le username, mais moi, je préfère travailler avec des rôles. Selon le rôle avec lequel ils sont connectés, ils ne pourront voir qu'une certaine partie des données. Et je crois qu'Eric, dans la roadmap, il y a même une évolution de ça qui arrive. Oui, tout à fait. En fait, ce qui arrive dans la roadmap, c'est la capacité de définir une règle qui pourra être appliquée sur plusieurs tables ou vues et qui jouera ce rôle de filtrage dynamique. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la fonctionnalité Dynamic Data Masking, qui permet de masquer des colonnes, cette fois-ci, ça marchera à peu près sur le même principe de règle, sauf que là, on est évidemment sur le role level. Ouais, c'est super pratique. Du coup, on définit une règle une fois et après, on fait un alter table pour indiquer que cette règle s'applique à cette table. Et ça, je pense qu'on va beaucoup s'en servir. Pour versionner ces données, c'était un autre besoin d'un client qui a une utilisation de Snowflake très avancée, à tel point que, comme le disait Eric, Snowflake n'est pas seulement un data warehouse, c'est une data plateforme appelée Data Cloud, mais c'est une data plateforme complète. Donc, ce client utilise Snowflake pour stocker les données qui vont servir à entraîner les modèles ou les algos de machine learning. Et un des besoins des data scientists, c'est de pouvoir finalement flaguer qu'un dataset, un état de la donnée, avait été utilisé pour entraîner un modèle. Et pour ça, on leur a préconisé d'utiliser la fonctionnalité de cloning qui permet de créer un snapshot d'un objet Snowflake, ça peut être une base de données, ça peut être un schéma ou une table, à un instant T. Et ce qui est beau, c'est que c'est vraiment une copie symbolique de la donnée, donc elles sont pas dupliquées, c'est seulement au niveau des métadatas de Snowflake, dans la couche de service, qu'on va créer finalement un nouveau lien symbolique vers la donnée, et c'est seulement si on modifie les données à l'intérieur du clone qu'on va stocker les données modifiées, donc le différentiel. Et grâce à ça, si par exemple les data scientists ont entraîné un modèle qui était très performant avant le Covid, qui est devenu moins performant pendant le Covid parce que les habitudes de consommation ont changé, etc. Et ensuite, quand on veut revenir à ce modèle-là et revenir à pouvoir réentraîner son modèle
finalement, avec différents états de données, on peut le faire très facilement en réutilisant les clones, donc qu'on aura appelé, par exemple, qu'on aura flagué avec l'identifiant du modèle et qu'on aura cloné à partir de la base de données de production. Donc ça, c'est une fonctionnalité très utile dans différentes situations. Je vais vous en montrer d'autres par la suite. Et qui permet de stocker sur du long terme des états de la donnée, parce qu'il faut savoir que si on est sur une échelle inférieure à 90 jours, on peut tout simplement activer la fonctionnalité de time travel si vous utilisez la version d'Enterprise de Snowflake. Par défaut, le time travel est de 1 jour, mais vous pouvez l'activer jusqu'à 90 jours et ainsi revenir à un état précédent de votre donnée sans avoir eu besoin de créer nécessairement des clones, des snapshots. Donc, comme on voit dans la requête de time travel, on peut indiquer à quelle date, même à quel timestamp, je veux récupérer l'état de ma donnée. Et ça, c'est très intéressant pour comprendre le passé, pour comprendre pourquoi j'ai une variation sur une KPI, par exemple. Je peux dire, bah tiens, à J-2, elle avait cette valeur, et à J-1, elle a cette valeur. C'est pour ça qu'on a détecté cette variation. C'est vraiment dû aux données et pas dû à, par exemple, une altération ou une régression au niveau du reporting. Donc ça, c'est des fonctionnalités en tant que data engineer, data architect, qui nous sont très utiles parce que ça nous permet de gérer du versionning de données sans avoir besoin de rajouter des colonnes de metadata pour stocker une version, un timestamp de création, de modification, etc. De la même manière, pour mettre en production des données, donc, pour mettre en production du code, ça, on est à l'aise, hein, avec les pipelines de CI/CD, etc. Déployer son code d'un environnement à l'autre, c'est quelque chose qu'on fait très classiquement. Mais encore très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on crée des pipelines qui vont alimenter la base de dev pour pouvoir avoir des données de dev. Après, on crée des pipelines qui vont alimenter la base de test, etc. Moi, je préconise de prendre la question complètement à l'envers, de dire « je n'alimente que ma prod ». Donc, je n'ai des flux qui s'exécutent quotidiennement que pour alimenter de la prod avec des données propres. Et je vais cloner ces données-là pour pouvoir faire mes devs et mes tests. Et ça me permet, en tant que data engineer, c'est vraiment un confort très important de pouvoir développer avec des données qualitatives. Trop souvent, on avait besoin d'avoir des datasets générés avec des données de démo qui n'étaient pas souvent représentatifs du métier. Et grâce à la fonctionnalité de cloning, on peut quotidiennement, tous les matins, dire à 3h du matin, je vais créer un clone de ma base de données de dev à partir de ma base de données de test, ou peut-être seulement du schéma qui contient mes données sources pour avoir des données de qualité pour faire mes développements et mes tests. Et ça peut être, c'est fait à la demande en quelques millisecondes, vu qu'on ne duplique pas physiquement la donnée, on crée juste un lien symbolique. C'est vraiment très rapide à faire. Voilà les éléments que je voulais vous partager en gouvernance avancée de Snowflake. C'est assez dense, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra avec plaisir et on prendra 10 minutes à la fin pour débattre de tout ça, si vous avez justement des points spécifiques. Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Baptiste. Merci Arnaud. Donc voilà, moi en tant que data engineer, du coup, on va plutôt parler de manipulation de données et de comment on peut se débrouiller avec Snowflake et ou Matillon pour ce faire. Donc la première chose dont je vais parler, ce sont les Create Table As Select, donc CTAS. Comme son nom l'indique, ça permet de créer une table à partir d'une requête select. Donc c'est une des manières dans Snowflake de peupler une table avec des données. Il y a le copyInto et le insertInto, mais là, le createTableAsSelect, il va faire deux choses. Il va créer la table avec le schéma qui est défini implicitement d'après le select, et il va peupler la table avec les données par la suite. Donc, c'est assez pratique. C'est assez utilisé avec les tables temporaires, temporary table. Donc, on peut le préciser dans la requête lors de la création de la table. Pour effectuer tout un workflow de traitement de données. Donc les tables temporaires vont permettre de pas conserver des tables qui sont inutiles et réduire le nombre de données stockées. Matillon implicitement aussi derrière ses composants d'écriture utilise les createTable as select. Donc voilà, la commande elle est toute simple, hein, on
on a un select qui définit les données que l'on veut requêter et au-dessus le create table qui permet de nommer la table et dans le schéma cible. Dans la partie pratique, là, comme vous pouvez voir, la première requête, on va simplement faire le select, c'est un simple filtre en fait sur nos données bronze, donc dans la row table. Et donc on va venir créer une table temporaire à partir de ce filtre. Et ensuite, la deuxième requête, on va venir faire des transformations un peu plus poussées, donc pour pouvoir réécrire ensuite sur notre schéma gold. Voilà pour les CTAS. Merci. Et juste pour compléter, c'est une bonne pratique de faire ainsi parce que pousser du traitement vers les données, c'est beaucoup plus rapide que de tirer les données pour appliquer un traitement. Donc là, c'est vraiment la bonne pratique qu'on vous recommande. Plutôt que de récupérer vos données pour faire vos transformations au niveau de votre compute, bah, vous poussez plutôt directement. Là, en fait, ce qui se passe avec le CTAS, c'est que le résultat du select ne transite jamais par le réseau. Il vient directement alimenter la table Snowflake et c'est ça qui est particulièrement performant. Yes. C'est bon pour ça. Voilà. Les CTE, donc Common Table Expression, là, ça va permettre au sein d'une même requête SQL en fait, de créer des sous-requêtes. Donc, ça va fonctionner, ça va être exactement comme une vue, mais qui ne persistera que dans la session Snowflake en cours. Et donc, dans la requête même. Et donc là, ça va permettre de créer des étapes au sein de notre requête. Et donc, on peut voir, on le définit avec le mot with. Et donc là, à partir d'un select, on va créer cette sous-requête qu'on va pouvoir ensuite réutiliser dans le select dit principal. Voilà, ça peut être pratique pour étaper une grosse requête SQL ou bien pour éviter une multitude de selects imbriqués pour rendre le code plus lisible. Dans la partie pratique, comme je vous montre, la première requête, on étape une requête en créant plusieurs CTE. On peut voir le MyCTE Step 1, on va venir faire un premier select. MyCTE Step 2, on va faire un select à partir du premier CTE. Et ensuite, dans le select principal, on va venir requêter ce deuxième CTE. Donc voilà, ça permet d'étaper et de potentiellement mieux s'y retrouver au sein de sa requête. Et le deuxième exemple, pour éviter les selects imbriqués, donc par exemple, si on veut faire un group by, mais au préalable avoir filtré les données, on va pouvoir déclarer un premier CTE où on fait ce filtre sur les données et ensuite venir appliquer notre group by sur déjà un volume de données réduit et filtré. Donc voilà, ça peut être assez pratique aussi pour améliorer la visibilité du code, pour la maintenabilité du code. Voilà. Alors, ce petit tableau, l'idée est venue d'une mission d'accompagnement de gouvernance sur Snowflake. La team de data engineer était composée de data engineer qui avaient plus pour habitude d'utiliser Python et quelques-uns le SQL. Et donc, voilà, les data engineers qui utilisaient Python étaient un peu réticents à l'idée d'utiliser SQL et pensaient que on ne pouvait pas forcément faire tout ce qu'on voulait faire en SQL. Et donc voilà, l'idée c'était pas du tout de mettre en concurrence les deux langages, mais plutôt de montrer que ce qui était possible de faire sur SQL vis-à-vis du Python. Donc voilà, là ce sont toutes des opérations plutôt de nettoyage, donc assez simples. Mais ce qui nous intéresse, ça va être après. Voilà, des fonctions plus poussées où on peut se dire que le SQL ne peut pas les faire et en fait c'est possible. Donc je pense à l'agrégation qui est assez connue en SQL avec le group by, mais les Windows functions qui sont disponibles donc sur Snowflake sont aussi assez puissantes. Et donc voilà, Windows function, on va pouvoir appliquer une fonction à un groupe de lignes au sein de notre table. Rank, on va pouvoir classer les lignes en fonction d'un critère et ensuite venir appliquer mettre un classement à chacune des lignes. Et la sliding Windows frame, ça permet de,
d'appliquer la fonction en fonction de la ligne courante et des lignes précédentes ou suivantes, soit depuis le début, soit n lignes avant ou après la ligne courante. Donc voilà. Moi, ça me sert maintenant d'un peu d'aide-mémoire. Voilà, si j'ai à travailler sur Python, moi qui suis plus à l'aise en SQL, je peux venir voir sur ce petit tableau. Et donc voilà, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal au sein d'une équipe d'avoir un petit aide-mémoire comme ça pour partager ces bonnes requêtes et voilà tout ce qu'on peut faire en Python ou en SQL dans un sens comme dans l'autre. Oui, Mustapha, c'était bien du Panda qui était utilisé. Oui, désolé, c'est pas précisé. Ce que je vais ajouter également, toujours en termes de nouveautés dans Snowflake, c'est qu'on va proposer bientôt des nouvelles expériences pour les développeurs dans Snowflake, avec notamment le support de Java, en Java Function, directement dans Snowflake, dans la couche de compute. Donc ça va permettre notamment de faire des choses aussi bien en data preparation que sur la data science, et notamment jouer des prédictions directement dans Snowflake, dans la couche de compute. Et en l'occurrence, Python est également dans la roadmap, mais un peu plus tard. Attention aux boucles infinies, alors. Et voilà. Snowflake essaie de développer pas mal de fonctions comme ça. Moi, j'ai vu des nouvelles fonctionnalités arriver par rapport au début quand j'utilisais Snowflake. Et de la même manière, Matignon essaie de suivre en développant les composants qui correspondent aux nouvelles fonctionnalités dans Snowflake, donc pour faciliter leur utilisation justement. Et je vais laisser la parole à Yann pour continuer sur Matignon. Merci Jean-Baptiste. J'ai deux diapositives ici. Je parle de l'extraction et du chargement des données. Cette diapositive montre un exemple simple mais typique d'un processus d'extraction et de chargement. Sur le côté gauche se trouve un job d'orchestration Matillon qui apporte des données dans le schéma branch. L'interface est graphique, il y a un flux clair, facile à comprendre et à suivre. Les propriétés du composant peuvent être modifiées grâce à un éditeur simple. Et sur le côté droite, il y a un exemple codé à la main qui fait la même chose. En fait, il s'agit d'un petit morceau de code Java. Cela peut convenir à un expert Java, mais c'est difficile à maintenir et ce n'est pas accessible aux utilisateurs métiers. Merci. Le prochain, s'il vous plaît. Ah, merci. Cette diapositive fait suite à la précédente. Elle présente un exemple simple mais typique d'un processus de transformation et d'intégration des données. Une fois de plus, à gauche, on voit un travail de transformation Matillon. Il s'agit de joindre et d'intégrer les données dans le schéma Silver. Et comme Jean-Baptiste a expliqué, dans les coulisses, il y a seulement de la SQL, les Create Table as Select, sur Snowflake. Sur le côté droit, il y a un morceau de SQL qui a codé à la main, qui fait la même chose. Ce que nous avons constaté avec SQL, c'est qu'il est extrêmement difficile de maintenir un SQL écrit à la main. Le coût est dans la maintenance. Merci. C'est vrai que par expérience, ça peut paraître contre-intuitif de se dire qu'un outil graphique va nous permettre d'aller plus vite que de taper du code à la main. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, cet outil graphique, il donne beaucoup de feedback pendant le processus de développement. Par exemple, chacun des composants que vous avez sous les yeux, vous pouvez récupérer un extrait des données qui vont être le résultat de ce composant-là. Donc, connaître l'état des données à chaque instant. Vous pouvez compter quelles données sont ramenées. Ça va valider que vous utilisez les bons noms de colonnes, alors que dans du code, en particulier du code SQL, vous n'avez pas ce type de feedback. Donc, chacun des composants qu'on voit qui sont entourés de vert là sont valides par rapport à l'arborescence des composants amont. Et surtout, moi, ce qui je trouve qui fait gagner beaucoup de temps, c'est que dans le même outil, vous allez pouvoir aller récupérer les données qui sont on-prem, les stager sur un bucket S3, par exemple, utiliser la commande copy, enfin, ça va invoquer la commande copy de Snowflake, charger les données dans un schéma bronze, et vous pouvez commencer à faire vos développements
en drag and dropant des colonnes qui existent de manière certaine dans votre schéma. Et finalement, l'expérience de data engineer fait qu'on peut aller très très vite pour faire des requêtes qui, à la fin, une fois qu'elles sont générées, comme on le voit à droite, finissent par être complexes. Mais le fait qu'elles soient dans des petits composants unitaires qui ont chacun leur responsabilité, le filtre, le rank, le join, fait que c'est plus facile de comprendre la logique et de s'y retrouver, surtout quand on revient quelques mois plus tard pour faire la maintenance d'un job, rajouter un champ, rajouter une règle métier. Voilà ce que je voulais apporter comme témoignage sur l'utilisation de cet outil. On arrive à la phase de questions-réponses. Et du coup, juste avant d'arrêter le partage de mon écran, vous allez avoir un sondage pour un rôti, donc return on time invested. 1, vous avez perdu votre temps, et 5, vous avez vraiment appris des choses intéressantes. Donc, on va vous inviter à voter, et vous aurez également, vous allez également recevoir un mail de follow-up pour pouvoir continuer l'échange avec nous, on va vous donner des liens aussi si vous voulez expérimenter les technologies pour avoir des fritières sur chacune des technos. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez continuer la discussion sur des aspects techniques, sur des aspects roadmap, etc., ou références, n'hésitez pas à nous contacter à contact@ticon.fr. Et à l'inverse, si vous êtes curieux de voir quelle est l'expérience d'un consultant chez Ipon, n'hésitez pas à contacter nos équipes de recrutement. On grossit, mais on le fait de manière très raisonnée et on a une assez bonne ambiance dans la practice data. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Je vais arrêter le partage et je vais afficher les questions auxquelles on va répondre. Il y en a plusieurs qui m'intéressent. Alors, par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir arrêter le partage facilement. Je crois qu'il est arrêté là. Hein. Ouais, c'est bon. OK. Donc, la première question qu'on va prendre, c'est celle de Ahmed Cheria. Merci. Et je suis content que tu sois là, Eric, parce que tu vas pouvoir compléter la réponse avec moi. Donc ça fait écho au clone de la prod vers test to dev. Si on a des données, des PII dans la prod, comment on fait pour anonymiser au moment du clone ces données-là? Je prends la réponse. Ouais. Donc justement, on utiliserait, je pense, prioritairement le Dynamic Data Masking, qui va permettre d'appliquer des règles de masquage des colonnes à partir de règles. Et donc, le masquage se fait à la volée en fonction du contexte d'appel et en fonction du rôle qui va consommer ces données. Et donc, si on veut masquer des données personnelles, par exemple, qui seraient dans certaines des colonnes, on va pouvoir appliquer une règle qui va automatiquement masquer ces données si l'utilisateur qui requête est un développeur ou un data scientist, et donc offusquer les données auxquelles il ne doit pas accéder. Merci. Je suis d'accord. Et quand on n'est pas capable de faire du dynamic data masking, pour X ou Y raison, dans ce cas-là, on fera plutôt des Createable as Select et on mettra la règle d'anonymisation dans le Select. Moi, c'est comme ça que je ferai. L'autre question à laquelle on va pouvoir répondre, c'est Snowpipe vs Put Copy. Alors, la différence entre les deux, déjà, pour tout le monde, c'est que Copy, c'est une commande batch pour des données qui sont déjà staged dans le stockage objet. Si c'est AWS, c'est S3. Donc, copier, on va pouvoir lui dire d'aller charger justement un fichier. Donc, déjà, une bonne pratique, c'est que le fichier fasse entre 100 et 250 mégas. C'est pas très bon d'avoir énormément de petits fichiers et c'est pas très bon d'avoir des très gros fichiers puisque la commande copy, elle permet de paralléliser sur les différents VCPU du warehouse. Donc, sur un XS, on va en avoir 4. Mais quand on va grossir, on en aura de plus en plus. Et donc, on peut charger plusieurs fichiers partitionnés à la fois. Ça, c'est pour la commande copy. La différence avec Snowpipe, c'est que c'est un warehouse qui est serverless et qui est géré par Snowflake, qui est facturé à la seconde. Donc, c'est très intéressant puisque quand vous démarrez un warehouse,
Même si vous mettez un temps d'interruption à 5 minutes, justement, vous allez devoir payer pour ces 5 minutes. Ou si vous pilotez le démarrage de votre warehouse et que vous ne faites que 10 secondes de chargement de données, il y a quand même la première minute qui est facturée. Snowpipe, lui, il peut vous facturer 0 des dixièmes de crédit pour des chargements. La seule chose à laquelle il faut faire attention, et ça on l'a vécu, c'est quand on a énormément de petits fichiers, il faut une étape préparatoire pour agréger ces fichiers et éviter que Snowpipe coûte cher en facturation. Mais en tout cas, dans les deux approches, nous, on préfère évidemment pour des données récurrentes, on va utiliser Snowpipe. Par contre, quand on fait du batch et qu'on peut charger de manière une fois par jour ou quelques fois par jour, la commande copy fonctionne très très bien. Et si on a besoin de faire la commande copy avec de gros fichiers, rien n'empêche de faire un alter warehouse, de le passer en taille médium ou large, lancer la commande copy et redescendre la taille du warehouse juste après. Et Matillon a des composants qui permettent de faire ça d'ailleurs. Une autre question qui est intéressante, c'est la mise à jour incrémentale des données dans Snowflake. Alors, je dirais, ça dépend déjà du volume de la table. Si la table contient quelques nouvelles lignes par jour, on peut même faire du full. Ça va être tellement rapide que c'est pas forcément nécessaire de mettre en place la chaîne de traitement incrémental. Nous, on l'a déjà fait. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on commence par faire du full et après, on voit la croissance des données et on essaye de trouver le bon moment où il faut commencer à faire de l'incrémental. Pour faire de l'incrémental, vous avez deux options. Vous avez soit du change data capture. Donc là, c'est les métadatas qui sont ajoutés par la base de données elle-même dans son log et qui sont scannés et qui vont permettre d'aller charger uniquement les nouveaux événements. Et d'ailleurs, Matillon permet de configurer DMS pour vous, de créer la lambda nécessaire et de configurer le DMS pour vous et de le lancer, etc. L'autre option, c'est une option empirique, mais qui marche très bien, c'est d'être sûr qu'on a un timestamp technique de modification sur la donnée, et simplement d'avoir une table de tracking qui liste les différents loads qu'on a effectués et de prendre la date du dernier load pour comparer avec le timestamp de dernière modification et ainsi ne ramener que les dernières données modifiées. Et en général, c'est comme ça qu'on fait. C'est plutôt comme ça que je fais quand j'ai besoin d'aller récupérer des données de manière incrémentale. Pour avoir les slides, je me rapprocherai de notre équipe marketing pour vous les transmettre, Salem. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Comment migrer une base de données on-prem vers Snowflake sans passer par des fichiers dans des buckets? Je dirais que ce n'est pas forcément... Il y a des outils qui permettent de le faire, qui existent comme HVR ou par exemple même Matillon, il y a une version de Matillon qui s'appelle Matillon Data Loader qui permet de faire l'alimentation de Snowflake sans que vous ayez vous-même besoin d'avoir un compte AWS. Et en plus, c'est un produit qui est gratuit et qui permet justement de charger les données comme ça dans Snowflake. Sinon, il y a des outils concurrents, mais ça veut dire que dans la même situation, vous devez autoriser à un outil tiers l'accès à votre base de données on-prem. Le fait de passer par des fichiers dans des buckets S3, même quand c'est des fichiers intermédiaires, l'avantage, c'est pour le cas que j'exposais tout à l'heure, c'était d'avoir des meilleures performances pour pouvoir faire du chargement en parallèle. Donc, c'est souvent ça qui fait que c'est une bonne idée d'avoir les données qui sont stockées dans le stockage objet du même cloud service provider que Snowflake, parce que Snowflake s'exécute sur AWS, mais peut aussi s'exécuter sur Azure ou sur Google, pas encore, je ne sais plus aussi. Si, sur Google aussi. En théorie, on peut même consommer des fichiers qui seraient sur un autre cloud provider. Évidemment, ça va rajouter la latence d'accès à ces fichiers. Voilà, vous pouvez avoir un Snowflake sur AWS et des fichiers à charger qui sont sur un autre cloud provider. Ça fonctionne aussi. Après, on pourrait faire des inserts depuis le on-prem sur Snowflake, mais les performances ne seront pas bonnes. Pour des gros volumes, moi, je ne vous conseille pas de prendre cette approche-là. Et j'avais oublié de démarrer la réponse, donc maintenant, je peux dire j'ai terminé de répondre. N'hésitez pas à reposer des questions si jamais les réponses ne sont pas claires. Je sais que vous ne pouvez pas prendre la parole en direct, donc on est obligé de passer par du
de l'asynchronisme, mais comme ça, ça nous permet de vous répondre tranquillement. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Très bien. Une nouvelle question ci-dessus. Alors, pourquoi c'est mieux d'avoir un seul compte ? Moi, je trouve que pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire un clone. Alors, quand je dis compte, c'est un compte Snowflake différent pour différents environnements. Et ben, vous ne pouvez pas faire de clone si vous faites comme ceci. Alors que si... Je ne sais pas pourquoi ça repartage mon écran, mais alors que si vous êtes sur le même compte, vous pouvez cloner de prod vers dev ou test, et vous ne pouvez pas le faire si vous êtes sur des comptes différents. Si vous êtes sur des comptes différents, il vous faudra utiliser le data sharing. Donc avec le data sharing, vous pourrez récupérer les données d'un compte vers un autre, mais du coup, vous allez restocker les données. Au lieu de créer un lien symbolique, vous allez devoir restocker les données. Donc finalement, je trouve ça moins agile, on bénéficie moins de la modernité d'approche de Snowflake en ayant des comptes séparés pour les différents environnements. J'espère que la réponse est claire. Je pense qu'on est pas mal en termes de timing. On est à 41 minutes pour 45, donc on respecte notre engagement et vous allez pouvoir avoir une vraie pause déjeuner. En tout cas, s'il y a d'autres questions, alors est-ce qu'il existe un, pour toi, Yann ? C'est pour Yann. Est-ce qu'il existe un connecteur Matillon vers Google Drive ? Ah oui, en fait, il y en a deux. Vous pouvez télécharger les fichiers de Google Drive vers S3, par exemple, où il y a des connecteurs pour Google Slides, par exemple, qui peut charger les données directement de Google Drive vers Snowflake. Par contre, c'est bien, donc là où on n'a pas beaucoup insisté, c'est que Matillon, c'est un ELT, c'est-à-dire qu'il a besoin de charger ses données dans Snowflake pour pouvoir les transformer. Matillon ne transforme pas les données sur son instance de compute, il charge les données dans Snowflake. Et après, c'est Snowflake qui est le moteur de la transformation. Donc, c'est ça qui permet d'avoir une scalabilité et une souplesse très importante. Là, dans le cas présent, par rapport à la question, on ne va pas avoir de connecteur qui permette de faire un unload de Snowflake vers Google Drive. On va devoir faire un unload de Snowflake vers S3 et après, créer une lambda ou un job spécifique côté AWS, si on est sur AWS, pour redescendre les données vers Google Drive. Si on est sur GCP, bah, les données qui sont dans le cloud, le Google Cloud Storage doivent être accessibles. Je pense que ça doit pouvoir être accessible dans Google Drive avec une opération assez simple. Du coup, on va rester sur cette question. Yousra, est-ce que tu pourras pousser le sondage si jamais ça n'a pas été fait ? Moi, je n'ai pas été notifié. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'en tant que speaker, on ne voit pas le sondage. Mais, je vois qu'il y a une... Dans la partie sondage, vous avez justement une question qui est votre ROTI, Return on Time Invested. Et en tout cas, je vois que les gens sont plutôt satisfaits, donc ça, tant mieux. On n'a pas eu d'insatisfaction, c'est plutôt bien. Et en tout cas, on espère que ces sujets vous ont intéressé. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, soit individuellement via LinkedIn ou autre, soit via les adresses mail que nous vous avons partagées. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci à tous les intervenants. Merci, au revoir. Au revoir, merci Arnaud.